ça. Attends, je dois avoir la topographie relief, tu sais, sur les cartes. Quand tu veux décrire une montagne ou quelque chose comme ça, t'es dans de la topographie. Ouais. Et les skis de la fabrique, c'est une réinterprétation de ça. Ok. Tout début, on était parti de la topographie de Saint-Pierre, on avait joué autour de ça, et on s'est vite fait rendu compte qu'il fallait qu'on l'adapte à la taille des skis, à l'esthétisme qu'on voulait donner, mm-hmm. mais l'idée de départ, c'est ça. D'accord, ouais, je comprends. Et en fait, depuis maintenant la dernière collection, on vient créer des formes différentes, ce qui fait que on peut agir sur deux teintes, et comme on laisse la notion de personnalisation sur le site, sur justement des associations de couleurs complètement différentes, et là ça permet justement, avec une des options qu'on a sur le site, de mettre ton nom sur ton ski. Où tu veux, quand tu veux. Signer. Je trouve ça génial. C'est un ski pour la drague, celui-là. Tu sais, genre, attends, ouais. Ça, c'est la drague. Parfaite. Bam. Et là, elle fait XOXO, non? Ouais. Avec un petit cœur. J'adore. Ah, excellent. Parce que notre trame va varier entre justement un ski de course, un ski de rando, un ski freestyle, et ainsi de suite. D'accord. Et ça, c'est justement les visuels qu'on a mis à jour là sur la homepage. Ah. Oh. Qui c'est ? Tu connais ? Mais c'est qui celle-là ? Vous avez enlevé les petits anneaux olympiques, c'est bien ? Ouais, salut. On contourne le CIO. Coucou CIO. On n'a pas le droit, le CIO il veut pas. Coucou CIO. Ok. On vous embrasse. Et le but, c'est vraiment de mettre en avant, tu vois, justement, la personnalisation, le fait qu'on a un noyau en bambou. Et que tu peux en apprendre un peu plus, parce que la plupart des gens savent que justement on fait des skis avec un noyau en bambou. Mais pourquoi on a choisi le bambou? Ça, c'était un peu moins clair en tout cas, et on a voulu mettre ça un petit peu en avant.